Et salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo en fait on va regarder un jeu que j'aime énormément, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui s'appelle donc SWAT 4. SWAT 4 qui est sorti en 2005, un an ou 2 ans après Rainbow Six 3. Et vraiment en fait en y jouant j'ai retrouvé vraiment... voilà, Rainbow Six 3 finalement, hein, dans le sens difficulté, d'ailleurs on va mettre en hard. Ensuite, donc je vais vous laisser écouter le briefing, et pour ceux qui parlent pas anglais, donc je vais juste expliquer un peu en gros ce qui va se passer là. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Central BCC to Adam Boy and Truck 1 on TAC 1. U1, go ahead. U1, SWAT is needed for high-risk arrest warrant service and possible hostage rescue at 25 Glendive Lane, Bronx. Detective 39 Adam requests you respond quickly but without lights and sirens. Suspect is wanted on multiple homicide and kidnapping charges. Suspect is a potential serial offender, likely to have a hostage victim inside. Suspect is believed to be mentally unstable. Expect erratic and dangerous behavior. U1, Roger. Show us en route. ETA, driving time. Get ready, men. This is a tough one. Our target, Lawrence Fairfax, is the number one suspect in a string of grisly homicides. A bit of review. Over the last year and a half, 7 women, all of them studying at the state university, disappeared. Their remains, showing signs of torture and dismemberment, reappeared anywhere from a week to 3 weeks later. The killer was careful. The task force forensic team was unable to get a useful DNA match from any of the bodies. That changed with the most recent find. Another victim was located earlier this morning by a local laborer. Some of the DNA scrapings from her nails match one of the men being investigated by the task force, Lawrence Fairfax. There's a complication. Another student, Melinda Klein, went missing sometime around 2000 on October 18th. That was 6 days ago. If Fairfax has her, and if he's following the profile, chances are good she's still alive. Rescuing her is your first priority, which is why we're going in with no warning. About our suspect, Fairfax is employed as a temporary carpenter and works off and on at the university. No police record, but court records show a pair of expired restraining orders against him. He's been suspended from a recent job site for stealing supplies. Fairfax's co-workers don't say much about him. He keeps to himself. He's been at the law library multiple times, most notably on the days before the disappearance of 3 of our victims, including Melinda Klein. A police interview with him was inconclusive, but the detective responsible did acquire a DNA sample from a used tissue. Fairfax was seeing a psychiatrist when he was laid off. We've been unable to access his records. The psych warned us that Fairfax may have fortified his living areas. Be alert for traps, especially in spaces only Fairfax uses. He lives with his mother, Gladys Fairfax. She's a recluse, and due to health problems, rarely leaves the house. We don't have reason to believe she's involved, but stay on your toes. Fellas, seconds may be the difference between life and death for Melinda Klein. Study the layout, choose your gear, and get moving. Donc voilà. Alors, pour résumer, en fait, on a plusieurs disparitions de jeunes filles qui viennent toutes de la même université. Et on a retrouvé leur corps, donc, tac, timeline. On a retrouvé leur corps à 20h20, aujourd'hui, donc totalement démembré, traité avec une grande sauvagerie. Donc, ensuite, il y a aussi le 18 octobre, donc quelques jours plus tôt. Il y a une civile qui a disparu, Melinda Klein, qui est aussi une étudiante à la fac en 2e année de droit. Donc voilà, elle a été déclarée absente le 18 octobre. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était après sa dernière. Bon, ça, je couperai. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était après la classe, à 19h45, le 17 octobre. Donc voilà, ça fait un moment qu'elle n'est plus là. Et donc le but, là, ça va être de la retrouver. Il va falloir faire attention parce qu'il y a d'autres civils aussi dans la maison. Donc il n'y a pas que le psychopathe que je vais montrer après.
Il y a aussi la mère, donc Gladys Fairfax, qui est la propriétaire et en fait qui a de gros problèmes de santé. Au niveau des suspects, le suspect en fait c'est Lawrence Fairfax, qui bosse comme charpentier dans un site, dans un chantier à côté, très proche du justement de l'université. Et c'est un reclus aussi, c'est un sociopathe qui vit que avec sa mère et donc voilà, qui est quand même, il est assez comment dire, c'est une personne qui est dangereuse et sûrement armée. Donc au niveau des entrées, je préfère passer par la porte du jardin, donc la porte de derrière, plutôt que par le garage. Parce que regardez, en fait, nous on va rentrer par là, donc la backdoor. On va passer par la cuisine. On va checker la cuisine en premier lieu. On va passer à droite, passer par le salon, aller checker ces trois chambres, sachant qu'il y a une fenêtre ouverte. Il me semble que c'est sur la, que c'est ici. Donc pendant que mes collègues, ils ouvriront, moi, je me posterai là pour regarder s'il n'y a pas un suspect, un civil ou quoi que ce soit. Et ensuite, donc, on va faire avec la bedroom, c'est-à-dire la. Ensuite, on va clear cette partie-là, ici aussi, qui peut être assez dangereux, et on passera par en bas juste après. Ensuite, donc, au niveau de l'équipement. J'espère que cette souris elle partira. Bah, on va y aller à la MP5. Hein. On va pas s'embêter. Par contre, en secondaire, voilà. On prend bien tous un non-létal. Allez, c'est parti. 39 Adam, this is Central BCC. Adam Boy. Adam Boy and Truck 1 responding to 25 Glendive Lane for high risk warrant service. Allez, c'est parti. Donc, toujours mettre son arme en semi, ça c'est très important. Hein, pour, voilà. Donc là, on a la salle de bain. Il n'y a personne. La porte est fermée. Allez. Element, stack it up. Absolutely. Voilà, essayez d'ouvrir la porte. Moi, pendant ce Door temps-là, je locked. couvre. Ah, locked. Bon, bah. Take care of the lock. Unlocking it. Voilà. Là, comme ils ne se sont pas encore vus et qu'on est venu vraiment en mode bon bah on intervient tout de suite sans prévenir, Open and unlocked. autant y aller avec panache et surtout Make entry. y aller assez Time to move. discrètement. Go, go, go. Trailer's needed. Talk, It's clear. Every team. In position. Clear here. Continuing on. Roger that. Proceed with caution. Regroup on me. Roger. Police, on your knees. Allez, put your hands up and get down. To come Here's here. unarmed. With get you. down, This hands in the won't air. Take a hit. You like terrorizing hit him with pepper. ladies? Pepper ready. I love you very much. You got no I'd right like to come in here. Police, hands in the air. Please. Oh, my heart. Civilian can't has take complied. This. Oh, my eyes. Stay down. My Lawrence Doc, didn't this do is entry anything. team. Civilian is safe, he secure, have. and ready for evac. Ow! Copy. Keep it up. Red team, bang it. Go. Police, on your knees. Put your hands up and get down. Alors, dans ce jeu, c'est vraiment important de tout regarder, vraiment, même les placards, tout ça, parce que les civils, enfin les suspects et les civils peuvent s'y cacher. Bon, les rouges là. Move up. Check the door. Roger, working on it. Blue team, regroup. Be ready to move. Door locked. I'm with you. Ok, door locked. Donc, pick lock et. Yes, pick lock. Allez. Unlock it. Keep it quiet. Red's on it. Moi, pendant ce temps-là, je garde les escaliers parce que tout le reste est clear. Plutôt avec ça. Ça, il n'y aura pas de problème. Et j'ai pas beaucoup de balles, hein, donc. Et donc, vous rentrez. Ah. Unlock it. Red's on it. You're standing in my position, sir. Bleu. Vous allez vous mettre. Move là-bas. on in. Understood. Moving. Toi.
Non, je t'ai reporte déjà. Bon, In position. On va pas faire ça toute la journée, hein. Je vais m'en occuper. Donc on va pas la faire au FBI avec la FBI Open Up. Ça c'est quand je serai sûr qu'il y aura le suspect à l'intérieur. Allez. Get down, hands in the air. Bon, il a l'air d'y avoir personne. Police, put your hands up. Ok, il y a on personne. The ground now. Bon, bon, on va passer par en dessous. Gold, regroup and follow me. Check, rejoining you. On your six. On sait que le mec. Ready, bang. Open and clear. Donc là maintenant. Working on it. Toutes les pièces, on va les ouvrir. Prep à la for flash. Bang. Go, go, go! Time to move! Allez, on y va. Let's keep it moving, boys. It's clear. Area clear. Hands up! Okay. Suspect out of range. Hands up! On the ground! Get those hands up! Hands up! Show me your hands! Voilà. I ain't dying for this shit. Suspect has complied. Je récupère l'arme pendant qu'il take him into custody. Copy that. That's right, Lisa. Police, put your hands up. Another female body was discovered this morning. Suspect is strange. Talk to this entry team. There's an additional suspect here. Looks like Fairfax may have an accomplice. Completely stumped. Copy that, entry team. We'll be ready for him. Voilà. Donc, si jamais il y en a qui parlent pas anglais, donc Fairfax, le suspect principal, semblait avoir des complices. On vient d'en arrêter un, parce que bon, c'était pas... Vous avez vu sa tête, c'était pas la même. Alors maintenant, bah, allez, hein. Non, attendez, je vais d'abord regarder. I got les gars, point. Suivez-moi. Get behind me. Understood. Follow me. Et on va se le faire. Non, il y a... With you. Je suis pas sûr. Non, non, il y a personne. La porte est pas piégée. Ok. Alors c'est bizarre qu'il n'ait pas piégé celle-là. Allez, open and bang, go. Right on. Chose que je n'ai pas dit sur ce jeu, c'est que les ennemis sont. Lock. I don't feel good about this. Make it noisy. One bit. Ouais, on va la faire. Ready, bang. Open and clear. Bangs forward. Mais, using voilà. C2. Le jeu en fait génère les ennemis de manière procédurale. Drop and bang. On sait jamais à l'avance où est-ce qu'ils seront. Vraiment faire attention. Go, go, go! Moving forward, trailers. It's clear, clear, clear. Gerard, clear here. Ah, t'as bien raison, c'est super. Bien joué avec le. Et ouais. Et donc là, on a vraiment affaire à un psychopathe. Comme on voit les coupures de journaux qui sont même au plafond. C'est cloque. Et aussi les avis de recherche. Ouais, c'est assez ressemblant. Ok. Bon bah on va y aller hein. Pareil. Open and bang. Clear. À la bang. Sure thing, boss. Heads up, drop it a bang. Go! Trailers moving. Room clear. Room clear. Ok, super. Sigmund Freud. Talk, this is entry team. We found it's an clear. Unidentified female victim in need of medical assistance. Roger, notifying EMTs. Keep us informed. Entry team to talk. Civilian hit, in need of medical attention. Be ready. Copy. EMTs standing by. Ça, c'est très glauque. On a une caméra là qui filme la personne qui voit bien. Et j'ai l'impression qu'elle est que le suspect il est en train de créer une espèce de buste, un moule, quelque chose à partir du corps. C'est glauque. Bon, on va pas. Police, get down now! Hands up! On va éviter de tuer. Hands in the air, get down! Ok. Open and bang. Bang. Go. Bon, si jamais ça va pas, là j'ai mon logiciel de montage. This is disgusting. I mean, Python is pretty Swap disgusting. For bangs. But this is worse. Bang ready. I know where you live. Drop it! Suspect's fire! Police! Drop your weapon! Hands your weapon! Get those hands up! Compliant. Oh, God. Donc toi... Get me out of here!
Make her secure. On it. I got you. Calm down. I got you. No, you're hurting me. Good work, guys. Let's. Bon, et forcément, faut que ça coupe. Ok, allez. Je vais dire ce qu'il a dit. Hein. Good work, guys. Let's arrest them. Donc voilà. Ok, 100%, c'est pas mal. Eh bien écoutez, on va se quitter là-dessus. Hein. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, voilà, si jamais vous voulez. Donc le jeu SWAT, comme il est de 2005, il ressemble vraiment à Rainbow Six 3 au niveau des graphismes. Donc là, j'ai installé un mode justement pour que ce soit un peu plus. Que les graphismes fassent plus récents et surtout qu'on puisse viser avec son arme, là par la mire. Donc si jamais ça vous intéresse, je pourrais mettre dans les commentaires une vidéo justement où ils expliquent comment j'ai fait. Bon, après la vidéo est en anglais, mais comme vous avez l'image, normalement ça devrait être bon. Allez, bon bah je vous dis à bientôt, et peut-être pour une nouvelle mission de SWAT, qui sait.